Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très particulière puisque c'est un challenge qu'on s'est donné avec l'illustre Amine de Japania et Papsan, le grand patron. Le but, faire une vidéo en 10 jours en présentant Tokyo ou Séoul en 5 minutes avec des contraintes à respecter imposées par chacun. Donc Pap a demandé un timelapse, Amine a demandé un plan sur une fermeture éclair et moi j'ai demandé une interaction avec un japonais ou un coréen. Voilà, donc le but c'est bien sûr de partager du positif, hein, de faire voyager en cette période difficile, de se motiver aussi, hein, puisque moi j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours, j'ai pas pour habitude d'en sortir aussi fréquemment, mais là bah, ça m'a forcé à sortir quelque chose en 10 jours. Et puis bien sûr c'est l'occasion de tester de nouvelles choses, proposer des contenus différents qu'on n'aurait pas forcément fait en temps normal. Et donc c'est pour ça que je vous emmène dès maintenant découvrir Tokyo en 5 minutes avec 5 portraits de japonais. Kimi wa itsumo watashi no soba ni ite. Issho ni warattari, naitari shita yo ne. Hitori de aruiteru toki, kimi no sonzai no okisa ni kizuku nda. Machi o dereba, watashi wa kimi no kaori ni tsutsumarete rukoto ni kizuku. Kimi wa machi de watashi o kanjimasu ka? Juri, 29 歳、フローリスト、お花が大好き。お花は言葉がなくても気持ちを伝えることができる。実はこれはすごく日本的なもので、本当の美しさは言葉で表すものじゃない。思いはいつも言葉に足りない。だから感じるものなんだ。何気ない生活の中に深い意味が隠れているものなんだ。愛を伝える表現は愛しているという言葉一つではない。米の一粒一粒が手間暇の結晶なんだ。神様が作った人の手が作り出す技。食べるとは奪うことではなく、いただくこと。この味の調和を感じるか。福田、70歳、板前。寿司を握って50年。昼も夜も一人でやってきた。自分の仕事で一番好きなのは味が良ければ見れるこぼれる笑顔と沈黙だな。家内も自分が握る寿司が好きだと言ってくれる。女房は赤身が好きらしい。一番大事なのは香りや味じゃない。調和だ。君から目に見えないものを学んだ。当たり前の美しさを隠したとき、君には目の前に何が見える？カズ、38歳、フォトグラファー。目に見えないものを写真に収める。目に見えるものは目の前にない。心の中にある。写真を公開することは自分の一部を公開すること。セルフィーさえも必要ない。日本文化の特徴としてチラ見せがある。日本には全てを見せないという美しさがある。美しいものは全てを見せず想像力をかきたてる。写真を通して日常の中、目の前にある見えないものに気づいてほしい。時々物に触れても何も感じられない人たちもいます。闇の中にいると光は遠いところにあると思いがちなんですけど、実は手の中にあるんですよ。光を感じますか？あやこです。柴又珠也と読み上げ物屋で働いてます。年は秘密です。今柴又珠也でいろんな商品を売ってます、販売してますが、メインは金のうんこです。金のうんこを触ったらたくさんいろんな運がつきます。一番いいことはみんなが笑顔になることです。大人のなっても子供の心を持ってるっていうのは
いいことですね。日本人は真面目って思われがちですけど、みんな子供の心をまだまだたくさん持ってますよ。金のうんこを触ったら笑顔になるっていうのは、心が生きてるっていうことですよ。ここは岸本神道境内です。岸本神道は子育て子授けの安産の守り神です。毎朝決まった時間にお経をあげます。あなたも聞こえますか？内山雅代です。80です。13代目になります。この店は1781年関東大震災、東京大空襲を免れて、これは私が14歳の時の写真です。子供は何年前でも今でも駄菓子屋に来ると笑い声が絶えません。お経は357年前からずっと変わらず続いています。 Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, bien sûr, hein. C'est poétique, avec voilà, de la slow-mo, etc. J'ai testé de nouvelles choses. Si ça vous a plu, je vous invite à découvrir le travail de Issam, qui m'a beaucoup inspiré avec son projet Tadaima, qui est une série de portraits de japonais en une minute. Voilà, fait par un pro par contre, c'est pas du tout la même chose que moi. Mais voilà, je vous invite à découvrir son travail qui est exceptionnel. Et donc maintenant, il faut aller voir les vidéos de Pape et d'Amine sur leurs chaînes respectives. J'ai hâte de découvrir tout ça parce que vous l'avez sûrement pas ressenti, mais nous, on a vraiment pris les choses à cœur et pendant 10 jours, on n'a pas arrêté de s'envoyer des messages, de se motiver justement. On ne sait pas du tout ce que font les autres. Et donc c'est ça qui est intéressant puisque avec un même thème, des mêmes règles et des mêmes contraintes, on va faire des choses complètement différentes avec une sensibilité. Bien sûr, il n'y a pas de gagnant, de perdant, ni quoi que ce soit. Tout le monde est gagnant, évidemment. Alors ça fait un peu youhou, c'est la maternelle, mais c'est vrai. Ça nous fait 3 vidéos pour voyager. Et donc voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Et puis rendez-vous sur les chaînes d'Amine et de Pape.